Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 19 août 2018, c'est la fin des vacances, donc à partir de demain, eh bien, il y aura un peu moins de vidéos sur la chaîne, évidemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la MX Linux. Eh ben oui, parce que je vous en ai parlé hier dans la MX Linux LXQT, que donne cette respin non officielle. Et puis donc hier on m'a un petit peu critiqué dans le sens où faire découvrir une distribution par une respin semi-officielle dotée d'un environnement de bureau qui est par ailleurs loin d'être mature à XQT, c'est tout sauf une bonne idée. Eh ben écoute, je vais te répondre. En fait, je suis persuadé d'avoir déjà enregistré une vidéo sur la MX Linux. Il me semblait que c'était sur la version d'avant, donc la MX 16. Mais comme j'ai dit ici, je ne la retrouve pas. Ce qu'il arrive régulièrement, c'est que j'enregistre des vidéos pour lesquelles je ne suis pas content. Donc j'enregistre la vidéo, je ne suis pas content et je la supprime. Alors quand je dis je ne suis pas content, c'est pas je ne suis pas content. Soit il y a eu du bruit dans la maison qui parasite la vidéo, donc j'arrête, je recommence. Soit je fais une grossière erreur de manipulation à un truc... voilà, où je fais une méga bafouille ou un truc où il se passe quelque chose de pas normal dans la vidéo, j'arrête la vidéo, enfin quelque chose de pas normal, pas que c'est la distribution qui fonctionne mal, hein, mais c'est moi qui fais n'importe quoi, j'annule, je refais la vidéo. C'est pour ça que parfois vous m'entendez dire ah, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le répète, blablabla blablabla. Bla bla bla. Ça, c'est parce que ça, typiquement, c'est une vidéo que j'enregistre deux fois. Donc je vais vous parler de la MX Linux, hein, vu que visiblement je ne l'ai jamais publié cette vidéo. Donc la MX Linux, hein, c'est une distribution communautaire, hein, qui est basée sur Debian et Antix, qui offre un environnement de bureau par défaut XFCE, voilà, comme vous voyez ici, avec pas mal de petites applications assez sympathiques. Donc sur la page DistroWatch ici, donc on voit que c'est basé sur Debian stable, ça vient de Grèce et des États-Unis, c'est dispo en 32-64 bits, et l'environnement de bureau c'est XFCE. Donc j'ai téléchargé l'image ISO, je démarre la machine virtuelle et donc je vais vous montrer l'installation et le tout en action. Donc ici au niveau du live CD, je vais choisir du français, voilà, et la time zone, ce sera Paris. Comme ça, ce sera tout prêt au niveau de l'installateur. Donc là, je vais rappuyer bien sur les MX, les outils MX. J'ai vu un petit truc pour la traduction, donc là normalement ce sera beaucoup plus facile de traduire par rapport à ce que je vous ai montré dans la vidéo. Et donc pareil, hein, l'installation et puis les mises à jour, vu que la ISO elle n'est pas à jour du tout, je vous ferai ça en accéléré. Donc avant toute chose, hop, je vais faire un xrender, donc ça j'y reviendrai après. Hop, voilà, je vais vous mettre ça en plus grand, histoire que vous voyez quelque chose. Ok. Et donc, je vais lancer l'installateur. Donc, par défaut, c'est le simple clic, à mon grand désespoir. Donc, la MX Linux, ici, c'est marqué, hein, c'est une distribution Linux indépendante basée sur Debian stable. Elle utilise certains composants de MEPIS Linux qui sont diffusés sous licence Apache libre. Voilà, et certains composants ont été modifiés pour MX Linux. Voilà. Donc sur chaque écran de l'installateur, on a des instructions ici sur l'aide. Et ici, on a tout ce qu'il faut pour opérer. Donc là, je vais installer sur DevSDA, donc mon disque dur, en partitionnement automatique. Si besoin, on peut faire du partitionnement manuel. Et donc ici, l'installation va se dérouler. Donc je vous laisse lire éventuellement ça, j'accélère le tout et je reviens dès que c'est installé. Bip bip. Voilà, donc l'installation est terminée. Maintenant, on a la possibilité d'installer le grub, donc soit sur le MBR, soit sur la partition racine, hein, si jamais on est dans le cadre d'un multiboot, ou ESP si on est en UEFI, donc parfait, hein, sur SDA c'est parfait, sur le MBR, ouais. Donc là, il y a la petite blagounette de l'installateur qui fait que, attention, grub va être installé, et c'est fini. Et ben non, c'est pas fini. Voilà, donc ça c'est la petite blague. Donc à chaque fois, vous avez toujours hein, l'aide ici sur le côté, hein, par défaut. Grub 2 est installé sur le MBR ou ESP pour UEFI. Voilà, donc là on a le nom de l'ordi,
nom de domaine. On a la préconfiguration du serveur Samba. Donc le groupe de travail chez moi, il s'appelle Linux Trix. Donc je vais le remettre comme ça. Voilà. Donc ici, on peut gérer l'agencement du clavier. Donc ça, vu qu'on l'a choisi au démarrage, c'est récupéré. Le format de l'horloge, parfait, Europe Paris. Ici, on peut gérer donc les services. Par exemple, on ne veut pas d'OpenVPN, on ne veut pas du Bluetooth. Eh bien, on peut désactiver, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la petite étape de post-installation, configuration. Ici, on crée son utilisateur. On met le mot de passe. On met le mot de passe de Monsieur Root. Voilà. Donc afficher les mots de passe si vous voulez être sûr. Vous pouvez chiffrer le home, faire la connexion automatique. Et si vous avez bidouillé, installé, fait des trucs en live, eh ben vous pouvez ici les répliquer sur le système installé. Voilà. Uniquement les modifications du bureau apparemment. Donc suivant. Et c'est terminé. Installation. Voilà. Donc là, on nous rappelle hein, que c'est une distribution communautaire et qu'on peut avoir de l'aide sur le forum mxlinux.org. Cool. Donc, on redémarre. On va faire les mises à jour. Donc, je vais vous montrer l'utilitaire qui permet de faire les mises à jour sous MX. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Donc, MX Linux, elle est basée sur Debian, donc je vais vous le montrer. Hein. Et vous allez le voir plusieurs fois que c'est basé sur Debian. Donc là, ce que je vais faire, je vais relancer le terminal. Voilà, xrender-q, parce que je me rappelle jamais de la résolution. Hop, voilà. Donc ici, on a l'écran d'accueil de la MX, donc avec des raccourcis vers le manuel de Wiki, les outils, les forums, la vidéo, toutes les vidéos qui sont faites, la contribution et les applications populaires. Voilà. Donc je vous montre juste ici qu'on est bel et bien basé sur Debian, hein, puisque regardez, si je fais un cat etc os release, vous voyez ici qu'on est basé sur une Debian 9 dite stretch. Voilà. Et plus précisément, je pense qu'il y a un Debian version, la version 9.4 de Debian. C'est normal, l'ISO est sorti il y a un petit moment, donc il y a quelques mises à jour. Voilà. Et là, ce que je vous présente, hein, c'est bien la version MX17 Horizon. Donc l'outil de mise à jour ici, c'est le carton. Donc on va faire vérifier les mises à jour. Donc j'ai toujours pensé... Ah merde, le pavé numérique n'était pas activé. Donc vérifier les mises à jour. Voilà. Donc on a ici ni plus ni moins qu'un outil qui va lancer des commandes derrière apt update, apt full upgrade pour les différentes mises à jour. Et bien que ce soit un carton, ce n'est pas Dropbox. Hein. J'ai toujours pensé que c'était Dropbox, le logiciel utilisé ici, mais non, c'est pas Dropbox. Voilà. Donc le carton se met en vert quand il y a des mises à jour. Et donc, si on met à jour, bah vous allez voir que c'est ni plus ni moins qu'une interface qui va lancer un apt full upgrade. Voilà. Donc là, on a le descriptif et le sorti de la console. Voilà. Donc, on va faire le full upgrade. On peut automatiquement clore le terminal quand c'est fini. Donc, on va cocher la case. On peut automatiquement dire oui s'il y a des questions qui sont posées. Donc là, je vais le faire. Hop, voilà. Et donc on voit qu'il lance un apt full upgrade ici dans un mini terminal. Voilà. Hop. Donc ce que je fais, comme de la même manière tout à l'heure à l'installation, j'accélère les mises à jour et je reviens dès que c'est installé. Bip bip. Voilà, donc la mise à jour est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, avant de réexplorer la distribution, on va tout simplement redémarrer l'ensemble. Et on va voir eh bien, ce qu'elle a au niveau de la Logitech. Et on va faire un petit focus sur les outils MX, hein, les outils qui sont livrés par la distribution MX Linux pour MX Linux. Voilà. Donc,
On se connecte ici. On va redéfinir la résolution d'écran. Bah d'ailleurs, on va voir affichage. Voilà, on va le faire via les outils de XFCE. Hop. Appliquer. Fermer. Voilà, pour vous montrer quand même que l'interface graphique, ça marche quand même. Donc, niveau logiciel, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des petits accessoires qui vont bien. On a Lucky Backup, on a Midnight Commander. Bon, ok, c'est pas non plus pour tout le monde. On a ici Renommée en masse, XF Burn pour graver. Donc le conquis, c'est ça, hein, c'est le conquis par défaut. Dans la bureautique, donc on retrouve LibreOffice. Alors même si on est basé sur Debian 9, on a un LibreOffice qui est quand même beaucoup plus récent. C'est le 6.0. Donc ça, c'est sympa, il est backporté. Donc on a des... on a une bureautique un petit peu plus récente que ce qui est offert par Debian, donc ça c'est cool. Par contre c'est en anglais, donc on verra comment traduire tout ça. Dans la partie infographie, donc on retrouve GIMP, donc un GIMP 2.8, Simple Scan pour numériser. Voilà, donc ça c'est GIMP, le GIMP de Debian. Donc 2.8, hein, c'est pas le 2.10, mais bon, fondamentalement il n'y a pas beaucoup de changements entre le 2.8 et le 2.10. Voilà, donc on active le mode fenêtre unique, voilà. Ici, donc le thème hein, c'est Greybird, c'est le thème qui est réutilisé exactement aussi dans Xubuntu. Dans Internet, donc on a Firefox Thunderbird, le duo classique des distributions Linux. On a GNOME PPP, je ne sais pas si vous avez vu, bon c'est des outils qui sont plus guère utilisés. Maintenant on a des box un peu partout. Voilà, donc le Firefox ici, même si on est sur Debian, c'est pas un Firefox ESR, mais c'est bien un Firefox 61, dernière version en date. Qui n'est pas en français non plus, donc on va voir comment traduire tout ça. Et donc, je vous le donne en mille, hein, mais si vous avez Thunderbird de préinstallé, il n'est non plus pas en français. Comme vous allez le constater. Voilà, donc il est tout en anglais. Et le Thunderbird, donc lui, c'est... Oups, c'était pas ça que je voulais lancer. Hop, ça c'est... il est vraiment merdique ce menu. Donc c'est un Thunderbird 52, ici présent. On a quelques jeux, ok, je m'attarde pas dessus. Niveau multimédia, donc on a Clémentine et VLC, plus quelques petits outils hein, pour ripper des CD à Thunder. On a Alza Mixer, on a le Pulse Audio, hein, donc avec son contrôle de son. Donc VLC, ici, voilà, c'est un VLC 3. Voilà, donc c'est quand même du récent. On a les outils MX, donc je vais y revenir juste après. On a quelques outils de paramétrage, donc on voit qu'on a Flash Player préinstallé. Ouais, ADSL, PPOE, configuration, donc ça c'est plus très utilisé, voilà. Et puis dans le système, bon, on a quelques outils, conquis, on a Synaptic, on a le gestionnaire des tâches, on a HTOP, on a bon, pas mal de petits trucs. Donc, si je vous lance le terminal, vite fait, qu'on fait un petit bilan. Sur la place, on a 5 Go d'utilisés sur la machine. Une fois installé et mise à jour, donc c'est relativement correct. L'espace, enfin la mémoire utilisée, on est de l'ordre de 415 mégas. J'ai lancé quelques applications, donc on va dire que grosso modo on est à 400 mégas. Donc ça, c'est plutôt léger pour une distribution Linux. Ici, donc on a les outils XFCE classiques, hein, puisque la base de l'environnement de bureau c'est XFCE, voilà. Donc dedans, on retrouve tout ce qui va bien. Donc au niveau du thème, hein, je vous remontre ici que c'est bien Greybird qui est adapté à la MX-17. Les icônes, c'est Papyrus, hein, donc ce sont même ceux que j'utilise moi. Le gestionnaire de fenêtres, donc on a ArcDark hein, au niveau de thème de fenêtre. Et puis, il fallait que je vous montre un autre truc. Donc apparence, gestionnaire de fenêtres... peaufinage de fenêtres, non c'est pas là-dedans. XFCE c'est dans 3 endroits différents pour le thème. Je voulais vous montrer les icônes. Mais je sais plus où c'est. C'est dans le bureau. Voilà, hop, icône. Non c'est pas ça. Bon, je sais pas où c'est. On a quelques fonds d'écran différents. Voilà, si on n'aime pas le gris. Hein. On a quelques fonds d'écran différents chez MX. Voilà. Donc c'est des fonds d'écran bon qui sont... il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs, il y a quelques paysages, il y a quelques fonds d'écran un peu arrache-yeux quand même. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Des fonds d'écran qui sont, on va dire, plutôt professionnels. Parce que là, on a vraiment des trucs bien travaillés.
Donc ça, c'est assez sympa, je vais remettre celui par défaut. Et donc ici, directement via les outils XFCE, on a la possibilité d'avoir le MX ajustement ici. Donc les outils MX sont inclus dans le panneau XFCE. Donc MX ajustement, ça permet là eh bien, de gérer le thème plus facilement dans un seul endroit avec les outils MX. Voilà, donc on peut ajouter un compositeur, voilà, si on veut mettre celui de XFCE, si on veut mettre Compton par exemple. Voilà. On peut personnaliser, virer par exemple le simple clic. En gros, toutes les options sont centralisées dans cet outil-là. C'est vachement plus pratique plutôt que d'aller ici, de regarder ce qui s'y passe, enfin dans l'outil de tableau de bord, puis d'aller dans gestionnaire de fenêtres, voilà. Puis de fermer ça, puis d'aller dans apparence, et puis les icônes, ils étaient là, voilà. C'était Papyrus, je vous les ai montrés, je suis con. Donc voilà, tout est centralisé ici dans un seul outil, donc c'est pas mal. Et on a les MX outils, donc ces MX outils sont des outils qui permettent de configurer la distribution et qui sont, ma foi, bien pratiques. Donc on a tous les outils qui permettent de gérer les live CD, hein, donc pour créer des clés, clés USB, créer une image ISO à notre système actuel. On est content de notre système, on veut en créer une image ISO, hop, voilà, on peut se la faire. On a des outils de maintenance pour gérer tout ce qui est le démarrage, le nettoyage, donc ça je suis pas fan de ce genre d'outils. L'éditeur de menu, le gestionnaire de l'utilisateur. Donc là, je mets le mot de passe de Monsieur Root. Je vous montre ça, voilà. Donc c'est pour créer des nouveaux comptes, changer son mot de passe utilisateur. Voilà, donc on a pas mal de trucs. On peut synchroniser des choses. Voilà, faire des sauvegardes appartenant à un groupe. Donc c'est des outils assez sympas. On a donc pas mal de petites choses par rapport au matériel. Hein, donc select installateur de pilote NVIDIA. Donc là, ça va lancer un outil qui va être bien, qui vous permet donc d'installer les pilotes NVIDIA. Donc là, il n'y a pas de carte NVIDIA trouvée, donc il va... Voilà. Il teste et il installe ce qui va bien. On a l'installateur de codec, ici. Donc là, attention, hein, on nous avertit que c'est pas forcément... attention à la loi. Voilà, donc ça nous installe notamment libdvd CSS, par exemple, qui est utile pour lire les DVD, les films que vous allez chercher sur la médiathèque. Hein. Si vous allez dans une médiathèque, vous récupérez les DVD, bah, parfois... ça m'est arrivé, hein. Vous pouvez pas lire le DVD, et voilà, il faut bien libdvd CSS, enfin en tout cas sur ma calculette, hein, c'est installé, hein, mais certaines personnes ont des soucis avec ça, donc c'est bien libdvd CSS qui permet de lire ça. On a donc MXConkey qui permet ici donc de gérer, je vais réduire ça, qui permet donc de gérer le Conkey, voilà les couleurs, ce qu'on veut, on peut l'éditer, donc ça c'est sympa. On a un assistant réseau, sélection de carte son, on peut gérer les sons du système, on a l'écran MX accueil. Là, on a tout ce qui va bien pour aussi gérer ces logiciels. Donc, on a le gestionnaire de dépôt. Donc là, vous allez voir ici, on a un ensemble de dépôts pour la MX Linux. On peut sélectionner le dépôt plus rapide, donc c'est un outil qui va chercher le dépôt le plus rapide et le sélectionner. Là, moi, je vais prendre manuellement, par exemple, le dépôt allemand. Parce qu'on n'a pas de dépôt français, le dépôt allemand est le plus près de chez moi. Ici, vous voyez, on a bien les dépôts de Debian, hein, donc les dépôts officiels, hop, voilà, en contrib, main et non-free. On a les dépôts ici de Debian, stretch, donc ça c'est les updates, ça c'est les normaux. Et puis ici, on a les dépôts de sécurité. On peut en ajouter ici. De la même manière, on peut sélectionner le dépôt Debian le plus rapide. Là où c'est le dépôt MX. Et on a quelques sources supplémentaires. Donc on voit qu'on a Antix, les sources d'Antix qui sont activées, Debian stable, update. Donc là on retrouve les Debian, les dépôts MX et quelques dépôts supplémentaires. Sans fermer. Voilà. On peut fixer les clés GPG si on a des petits problèmes. Et donc ici on a l'installateur de paquets. Alors tout à l'heure j'ai dit que la distribution n'était pas très bien traduite. Il y a un truc qui est bien traduit, c'est les dossiers utilisateurs. Donc ça, pas de problème. J'en profite pour refaire juste une petite parenthèse au niveau du réseau. Donc ici, réseau Windows, Linux Trix. Donc là, on voit MX. Mais on voit pas ma machine réelle. Est-ce que ça marche vraiment? Ouais, c'est bon. Donc si je vais sur mon dossier partagé, ça marche. On a l'authentification. Donc ici, je vous ai dit que Thunderbird, Firefox et LibreOffice n'étaient pas sélectionnés.
n'était pas en français. Mais ici, on a des packs de langues, donc chose que j'ai installée manuellement dans la présentation de la LXQT. Là, vous tapez French, et donc vous pouvez installer les métapaquets de langues French, Firefox, LibreOffice et Thunderbird. Voilà. Et donc là, en un clic, ça va vous installer les traductions, donc c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller les chercher à la main, comme ce que j'ai fait dans la vidéo sur la LXQT. Donc on a trois onglets, on a applications populaires ici dans le gestionnaire de logiciels. Donc c'est les applications qui sont triées et qui sont affichées juste ici. Vous avez le catalogue complet des applications, donc c'est comme si vous aviez Synaptic, quoi, vous voyez tous les paquets un à un. Et puis ici, donc c'est le retour de la console quand on installe des choses. Voilà. Donc là vous avez par exemple uniquement les applications qui vous intéressent, c'est-à-dire que si on va par exemple dans vidéo par exemple, voilà, on a quelques outils, mais on va pas retrouver par exemple FFmpeg, qui vont être des outils en ligne de commande. Ou si on va par exemple dans courrier électronique, voilà, on va retrouver Thunderbird Cloud Mail. Point, ça va pas plus loin que là, on va pas avoir des logiciels qui pourraient se retrouver dans cette catégorie, style Postfix, SendMail ou BSD MailX ou d'autres logiciels un peu exotiques qui pourraient être disponibles. Là on a vraiment filtré, enfin on. La distribution a vraiment filtré ce qui est utile et ce qui est commun, quoi, pour le n'importe qui. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais installer un navigateur internet. Bah tiens, je vais installer Vivaldi. Hop, je clique ici, je l'installe. On a le retour de la console. Donc ici, il y a un pré-traitement. Pourquoi pré-traitement? Bah parce que Vivaldi n'est pas inclus chez Debian. Hein, donc il va récupérer le repo en question et puis il va installer Vivaldi stable. Nickel. Le temps que Vivaldi s'installe, je vous montre rapido ce que Firefox, LibreOffice et Thunderbird. Donc Sun. Merde. Thunderbird sont traduits en français. Donc voilà, LibreOffice est traduit. En français. Nickel. Thunderbird est traduit aussi. Donc là, tout est français, chat, adresse, courrier électronique, aujourd'hui, demain, prochainement. Donc tout est traduit, c'est nickel. Et Firefox, ici, alors lui, il fait toujours un petit peu de résistance. Donc vous allez éventuellement dans Add-ons, Language. Bon, là, c'est activé. Mais Firefox est pas en français, donc c'est un peu ballot. Donc il y a sans doute une astuce que je ne connais pas. Firefox French. Je vais regarder si dans le about config il n'y a pas une manip à faire. Utiliser l'interface de Firefox dans d'autres langues. Voilà. Donc comment obtenir des paquets. Donc ça, ça a été fait. Très bien. Échanger la langue. Donc il faut aller dans about config. Voilà. Il faut chercher ça. Super, génial. Entrer le code de langue. Et donc on va chercher le code de langue. Donc là on va faire about config. C'est pas très intuitif quand même. Hop, on recherche ça. Donc là dedans il n'y a rien. Et donc on va prendre le code de langue. Pour la France c'est FR. Voilà. Et donc je pense que si on redémarre le bousin, on devrait l'avoir en français. Pas très pratique, mais ça marche. Donc là c'est nickel. Donc ici le catalogue complet, je vous le montre, hein, c'est typiquement ce que Synaptic pourrait lister. Voilà. Donc avec tout, tout et tout quoi. FFmpeg par exemple, voilà, vous trouvez tout. Voilà. Et tout. Donc là vous avez ce que vous avez dans le dépôt stable par défaut. On a ici une coche à faire et on a tout ce qu'il y a dans le dépôt de test de MX. Voilà. Donc si vous voulez tester des logiciels, voilà. Et vous avez la possibilité d'activer le dépôt de rétroportage de Debian. Donc voilà, vous voulez un logiciel mais un peu plus récent. Vous activez les backports via ce bouton radio. Voilà. Et donc là, vous avez accès au logiciel backporté. Voilà. Donc si vous voulez installer, je sais pas, quelque chose de bien précis. Je sais pas ce qu'on pourrait prendre hein, de bien précis, mais... Voilà, vous avez besoin d'un logiciel bien précis ou d'un noyau, pourquoi pas, enfin je vous le conseille pas le noyau, hein, mais voilà. Vous avez besoin, je sais pas moi, Kden Live par exemple, Kden Live, non il n'y est pas, mais
sais pas quel logiciel on pourra avoir, mais vous pourriez avoir besoin d'un logiciel un peu plus récent que ce qui est dans MX, donc vous avez accès au dépôt Backport. Voilà. Je sais pas si on peut vous trouver un truc. Voilà, vous voulez une version plus récente de Ekchat, bah voilà, vous pouvez l'installer. Inksy ou. Voilà, après voilà, c'est si vraiment les dépôts normaux vous satisfont pas. Vous avez la possibilité d'activer les dépôts rétroportage. Et voilà, ben écoutez, la vidéo, là, elle touche à sa fin. Je pense que je vous ai montré pas mal de choses dans la MX Linux. J'ai essayé d'être un petit peu plus complet que ma présentation sur LXQT. Et pour conclure, eh bien, cette MX Linux, c'est vraiment une bonne distribution qui offre un environnement assez sympa. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont traduites, donc ça la traduction c'est pas mal, il faut penser à installer les packs de langue, il faut faire la petite bidouille en Firefox, donc c'est pas forcément évident, mais c'est gérable. C'est une distribution qui est basée sur Debian, hein. Donc derrière on a de la sécurité, on a XFCE, donc c'est un environnement de bureau qui est assez vieux, donc il est assez, on va dire, sûr, et on va pas avoir de surprise avec XFCE normalement. Après, voilà, on peut avoir des logiciels qui sont un petit peu vieux. C'est une distribution dite fixed release, donc elle est vraiment pas pour moi. Mais je pense qu'elle peut faire de la concurrence à d'autres distributions, telles que Linux Mint, par exemple. Même si la disposition par défaut de l'environnement de bureau est assez atypique. Hein. Vous voyez, on a vraiment des applications pour lesquelles on a juste un truc épinglé. Ici, bon, la présentation est assez atypique, mais je pense que c'est une bonne distribution qui a vraiment de l'avenir. Et je pense qu'on n'aura pas de surprise avec cette distribution-là dans les jours, les mois à venir. Je pense qu'on a une base vraiment solide. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais passer au montage pour accélérer les parties. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !